Président Jovenel Moïse fait dévoiler et y a un monde ou capable de gagner n'importe quel problème qu'on capable de gagner ensemble avec personnage, ensemble avec président, mais il faut qu'on gagne courage, les gens monde a fait un bagage qui bon malgré situation difficile qui capable de gagner pour capable gagner courage de pousser un monde tout bon pour capable dire oui ça mon l'a fait à que même les bon. Dans la question de la courant, ce n'est pas seulement Sogenère, famille Vob, mais cette fois-ci, c'est ensemble avec Etuac que nous connaissons qui c'est l'autre compagnie qui a bail énergie. Ce n'est pas bail énergie, l'a touché et pour énergie, malgré qu'il n'y a pas bail énergie, mais même là, il a touché l'argent. Comme si c'est rien n'était, c'est comme si yon moun nan même se yon go de l'eau li même la boue, li senti li à l'aise, la bien vivre, ti famille la bien vivre, et puis pour y retirer l'argent, nan poche yon ti peuple, nan question bagay taxe, mais l'estomac moun nan comme si li pa fait le mal pour la prendre l'argent comme ça. Nous croyons que nous non situation, nous pas lage, et monsieur Martin Debayo même qui fait yon gros étalage nan dossier ça, et nous pas le président Jovenel Moïse tout, li même li pas le parler, nous pas lage vidéo. Qui jeune nègre même y a soucié l'État. Nous croyons que actuellement là, et si peuple haïtien lui-même était capable de comprendre monde qui travaille en favelle, nous connaissons que Jovenel Moïse, ils font pas qu'étant les pas tap diriger, les pas tap gouverner, les pas tap faire rien. Ça, tout le monde conscient de ça. Mais il y a quelques décisions actuellement que le président lui-même n'a pas soit que pour le comment pour le capable de monter popularité et commencer et monter vraiment vrai. Et mais c'est un moment que toute population est supposée mettre main ensemble pour capable aider, pour capable porter solution à quel problème que le pays lui-même l'a traversé. En quittant nous ensemble avec Monsieur Martin de Bayo et puis après président Jovenel Moïse lui-même qui prend le bail et détail sous gang ça, nek ça qui tape tout pis et l'État en suivant ensemble. Et il y a des scandales dans le pays. Et il y a des l'autre de c'est vraiment c'est deux scandales curieux. Là, c'est mon question de Jovenel Moïse. Et son question de pays. Mais dans le temps du pays, ça, et chaque monde a une position en fonction de l'intérêt. Mais il y a des qui passent dans le pays. Je dis à la pas de débat sur eux. Si effectivement, chaque monde qui a attendu l'émission de débat, chaque monde aujourd'hui a tout qui n'a bataille politique soi-disant, c'est pays qui a été ouais. Ok? Après ce général, alors jusqu'à présent, il faut que je me dise que Mandayo était debout contre en fait les membres du conseil d'administration de ce général. Oui. Ok? Tout tribunal de net. Oui. Et avocat d'État ici. Oui. Comme si aucun juge n'a pas prendre pas vraiment ça. C'est l'État ici, monsieur. Ou pas goût mal l'État, Josué. Ou pas capable de faire ça. Comment on va le dire? Il a réquisé tout juge honnête. Même pas rien. Ou pas qu'à goût. Qui a fait le sujet là? Non, l'État ici. Tout avocat de l'État ici. Il a réquisé tout juge. Ça veut dire, ou pas qu'à goût mal l'État. Faire recours devant aucun juge là. Aucun côté. Parce que. Pourquoi vous l'avez réquisé? Mais écoutez, mon frère, ou pas qu'à goût mal l'État. Mais qu'on y a tout. Ok. Ou pas qu'à goût mal l'État, chef là. Et c'est ça un paquet de nègres ici, pas comprendre, non? Et ceci, quelque chose en écoute, hein? Non, c'est ça, c'est bon, il a gagné fond. Si bourgeois, Timmy, là, baron, ça, ils pensaient que je dis, hein, pays, ça, il va faire n'importe qui, bah, la donne. Non. Ou pas qu'à goût mal l'État. Et pour ça, qui bidou, c'est que l'État, c'est des gens qui prennent mes clients, nègres. Oui. Ok? L'État, c'est le plus gros client, nègres, ou bien c'est un client, nègres. Oui. Et voilà que je dis, nègres, pas aucun respect pour l'État. Oui. Et il pas aucun respect pour le monde qui sait, représentant. L'État. L'État. Sous base que yon a jeté qui c'est le chef de l'État. Sous base de quoi? Sous base de quoi? Yon a injecté dans 12 millions de dollars, yon a injecté 1 million à terre. Correct. Avec ça, yon est capable de gagner aval l'aria. Mais ça a oublié, il y a une majorité silencieuse dans ce pays. Non, il n'est pas possible. Qui a contrôlé, qui a gardé chaque passé. Et l'homme a récombiné, même l'État, ça, ancien ministre, ancien directeur général, ancien madame président, pour qu'on vole l'argent de l'État. Je dis à un petit journaliste sous. Non, il va pas. Mais, camarade mais, Dimitri Vob, mon cher, non. Méchant, mon cher. Je dis à un chap joué, tout journaliste net, sous parce que journaliste est volé, journaliste sous. Mais là, c'est là pour comprendre. Où est la grande faiblesse? Les jouer, ne pas les jouer comme ça. Bon, ça t'a dit, Jovenel Moïse, t'as fait Dimitri Mahon. Mais sans mi. Mais ça t'a dit que n'est grand dehors ça. Ok? C'est pas grave, oui. Ça t'a dit, si n'est grand dehors ça, t'as fait mille lats à Mahon en veille. Sans mi. Ça t'a dit ça. Tu n'as qu'à en dehors tête zo ça, pied chèche là.
Ça que t'as dit, tu n'es gandé, ça t'a fait mille lattes, ça, ma ou. Mais, n'est-ce pas, montre tout, y'a qu'il dit ça. Mais, Louko, vous regardez le dossier bien pour eux. Hier, Jovenel Moïse, moi, tu as déclaration là. Jovenel Moïse, avec explique au conseiller des bagailles. Si tout ça l'a dit, là, son conseiller des vérités, oui, tout pour vrai. T'as bien samedi, oui. Ça fait m'douk. Je parti sous principe ça, après matin. Si ça, président, avec expliqué, là. La question de 2 millions de dollars, qui lâche tout. Avec quelqu'un qui soit venu défendre, parce que, écoutez, il était clair. Et avocat et l'État ici, il était clair sur la question. Hein? Ou d'après des bâtiments de l'éducation. Elle dit, et toi, contrat et toi, fini avec l'État ici depuis 2014. 800 000. Et contrat, c'est 2 millions 800 000 dollars que l'il y a. Oh. Contrat fini depuis 2014, je viens maintenant. Mm-hmm. Et depuis 2014, contrat fini, et toi, qui a taxé l'État ici jusqu'à 2019. Qu'on demande à vous et Baïnex à vous. Comment bien, madame, monsieur. Contrat fini depuis 2014. 2 800 000 dollars par mois. Mm-hmm. Contrat fini, contrat fini. Attendez. Mais elle continue par le service. Non, ça, non. Non, comment elle fait? Non, par le service. Ça l'a fait hier soir. Président Jovenel Moïse débarque, il a saisi Général Tissio. Général Tissio qui peut aller pour Okayo ensemble avec Petit Guavio. Il y a un truc. Il y a un dépôt, un truc. Il va jamais à livrer, non. Et puis, il y a facturer l'État ici. Comment on fait payer? Ça lui monter 54 millions de dollars que l'État paye de 2014 à 2019 sans que le parle de service, madame, monsieur. Non, mais c'est tellement loco, loco. Qui plus gros scandale qui est passé dans le pays? Si contrat fini, c'est sous base contrat pour date du ministère finance, c'est pas ça? Payer. Faut que le ministère finance connaît que contrat fini. Mais écoutez, pour qui sont mis pour l'équipe de Bonnefil. Écoutez, mon frère. T'as pas pensé avoir nous contrat là. On dit que nous avons un contrat avec Radio Éclair. Ok? Pour me faire Radio Éclair courant. Contrat fini. Maintenant, moi les parties que Joseph Nil a et contrat fini sans l'affaire. Je vais continuer à oui. Ça va mettre bon moins. C'est comme ça va arriver. C'est que 2014 contrat et tu as fini. Et puis quand t'as rien qui fait peut-être entre eux-mêmes. Il continue à bailler. Et pas mal. Non seulement pas j'aime bailler, vrai. Ok. Pas mal service. Pas j'aime bailler. Pas j'aime bailler, vrai. Même finis pas payer. Finis pas payer. Ah non. Qu'on y a là, l'État paye 54 millions de dollars. C'est deux groupes qui ont un problème là. Oh. Oui. Ah non. Donc il y a problème, monsieur. Donc faut que moun nan finance là avec yo, c'est ma commission, monsieur. Vous avez arrêté. Yo, c'est ma commission. Écoutez, il y a un scandale en paix, monsieur. Écoutez, pas même doué un débat sur yo. Écoutez, nous prenons un cabousso général. Non, on nous prend exemple là. Oui. Ou qu'on compte ensemble avec Patrick Joseph. Vous comprenez? Patrick Joseph dit technicien qu'on a un contrat avec Louko Désir pour telle émission, telle bagarre. Émission fini un an après. Comptable qu'on est, technicien qu'on est. Mais si vous parlez de comptable là, il doit venir. Là, j'ai pas qu'à gagner. Non, mais nous, si ça ne vous a pas bail, vous ne pouvez pas payer. Mais si on paye, il y a deux problèmes dans ces deux côtés. Voilà, c'est mon question de Jovenel Moïse. Eh bien, c'est ça. C'est une question de pays lié. Avant, il y a là. Il y a des scandales qui viennent en pays, madame. Mais ce n'est pas d'aller au débat sur eux. C'est dommage, moi, je dis, qu'il y a une position pour son général. Écoutez, la bataille de l'État haïtien contre Jovenel, son bataille légitime liée. Ça n'a rien à voir avec Jovenel Moïse. Son bataille légitime liée. Sauf que Jovenel Moïse met des graines de moudal, ok, l'attaque est dans le grand système, non, que tout le monde est perdu à Bahia. Et en parlant de système, n'est-ce pas, il y a maintenant un combat contre système, non. Oui. Vous voulez dire, si président de la République, là, ok, voulez-vous dans contre système, non. Je pense que tout le monde tape cap en face, tape cap derrière le président, même le bas pour le président, comme si on niveau, mais pour l'État haïtien, je vais donner des bagailles. Vous ne voulez pas être drôle. C'est le regarder pour Daniel Dorseville, comme ancien ministre finance, ou elle, tout le monde qui est dans le conseil d'administration, son généraux, c'est des mouns comme si qui étaient dans l'État, hein? C'est ministre finance. C'est des juges partis. Eh bien, grave. Il y a un double wall. Madame président, juge parti. Ou René Préval, hein? Ou regardez pour Serge Gaffarel, ou ancien directeur général, EDH. A dit, il y a un complot qui monte entre l'État haïtien avec les gens qui sont dans le secteur privé. Ça y vole, va. Ça y est, le complot. Ça y est, le complot. Ça y est. Ah, moi, je me dis que. Mon échec là, nous, ce point là, il va aller me faire échec là. Non, mais justement, avec complicité. Quand il y a là, c'est le ministre. C'est pas même complicité. Complicité, son gang. Son gang. Gang. Qu'a fait
grand ministère et Mounéon, automatiquement arrestation faite, c'est pour le fait comme ça, bien sûr. Mais s'il fait n'a pas de mandat et n'a supposé un mandat contre mon bonne filio, mon et Tchakio, parce que c'est ça on fait si avocat l'état ici, on met gagne dans mouda, nous monsieur, on va aller là, je taxe peuple là. Gardez Dimitri Mahon. Bah, il me soit cloche, moi. Ça que t'as dit ça. Bah, il me soit cloche. Dimitri de Mahon. Dimitri de Mahon. Ah, bah, il grave tête. Ça que t'as dit ça, mes amis. Monsieur. Oh, monsieur, pays ça. Alors, go bagay, moi, elle t'écoute. Elle prêche, la prêche, Mounia. La joue, elle prêche. La joue, elle prêche. Les joue, elle prêche. T'as donné la conduite. Mais Jovenel fait Dimitri Vob. Accepter Jésus comme sauveur personnel. C'est pour de Panama. Panama, on peut pas faire. Où t'as eu Dimitri Panama. Panama, où qu'on est Dimitri dans la rue, la bonne. Il bosse dans la rue. On a l'air de président de Jovenel Moïse. Et Dimitri, puis qu'on cache Guyanel. Non, moi, j'ai pas caché. Bien, mon gars. Moi, exactement, dans ce côté. Immeuble qui a construit pour un AGD. AGD, c'est l'administration générale des douanes. Nous, côté construction qui a fait pour le ministère des Finances, pour le supérieur des comptes, construction qui a fait pour la direction générale des impôts. Mes femmes disent que depuis que je finis de parler, 28 octobre 2019, là, sous problème courant, nous avons pile haïtiens qui étaient concernés par ça. Et moi, j'ai pile monde qui relève tout. Et c'est comme ça, mes 11 amis qui étaient fait me connaître, qui te dit, président, pendant l'immeuble a construit, je connais quoi que l'État a dépensé pile comme dans affaires courantes dans la zone Tigouave avec Okaï. Et pourtant, zone ça a toujours fait noir. C'est-à-dire que zone toujours dans la Blackout. L'État payait chaque mois d'après documents. Que nous avons d'ailleurs présenté nos documents. Son document que la commission intérimaire qui travaille sur les affaires secteur énergie, hein, sur réforme. Le document est clair. Il dit que l'État a payé chaque mois 2 millions de dollars pour Okaï avec Tigouave. Et pourtant, l'État paye 2 millions de dollars. Mon Tigouave après l'amour. Mon Okaï après l'amour, pas jamais. Bien courant. Information que nous avons, l'État paye 2 millions de dollars et puis il y a 6 mégawatts qui installent Tigouave, il y a 6 mégawatts qui installent Okaï, et pourtant, Tigouave y a exactement 1,5 mégawatts en fait qui est disponible. Ça veut dire, courant Tigouave là, c'est le même qui baille jusqu'à Miragouane, mais malheureusement, depuis plusieurs mois, pour ne pas dire depuis plusieurs années, mais à Guan Bajon, je ne comprends pas parce que 6 MW installés, c'est 1,5 MW seulement que la centrale la baille. Et pourtant, l'État toujours continue à payer même l'argent. Au cas même, il y a 6 MW qui sont installés, c'est 3 MW réels que Okaï joigne. Mais ça n'a pas parlé là. N'a pas dit la centrale a marché. Centrale ça a gagné des mois. Si nous elle n'importe qui mon Okaï là, demandez depuis qu'il est centrale Okaï là demain. Demandez mon Tigouave depuis qu'il est que vous avez gagné. Et m'a profité de l'occasion pour me faire, pendant ma parole là, pour des documents pour moi, mon document sur. Merci. C'est-à-dire pour me garder devant la caméra, c'est commission de pilotage de la réforme du secteur de l'énergie. Mais son sommet exécutif qui fait le 3 novembre 2015 son rapport intérimaire. Et dans la page 4 là, nous avons aimé pour nous dire, pour me lire, pour le peuple haïtien, qui ça que Mounsa, qui c'est des gros experts, gros savés, gros fonctionnaires publics, qui ça a été écrit? Il dit que la situation des cailles, de petits bois, et de leurs environs doit être adressé en urgence, vu que la ETRAC qui assure les services de production ne dispose plus de contrat depuis plus d'une année. Là, on a parlé de 2015. Ça veut dire ETRAC pas de contrat depuis plus qu'un an, en 2015. Ça veut dire depuis
2014, il n'y a pas de contrat. Elle continue, malgré tout, à fournir de l'énergie électrique à partir d'une puissance installée de 12 MW pour une facture mensuelle moyenne de 2 millions de dollars américains à l'EDH. Ça veut dire facture ça, il y a l'EDH en facture 2 millions de dollars chaque mois. Une régularisation de la situation semble laisser l'AETRAC indifférent. Et les signaux envoyés lors des discussions montrent clairement qu'elle se sent plus confortable dans le statu quo. Ça veut dire, être plus confortable. J'en bats à l'arrière. Ça veut dire, chaque mois, 2 millions. Que y'a pas de lumière, que y'a pas de 2 millions. Maintenant, mes recommandations, commission. La commission recommande fortement que l'État accompagne l'EDH dans une stratégie d'acquisition des équipements de la ETRAC en vue de pallier à toute interruption volontaire ou non des services électriques à la population des villes concernées. Là, nous parlons de villes concernées, nous parlons de villes au Caï avec ville Tigouave. Moi, l'île pour qui ça, et me présenter nos documents encore, parce que dans pile parole qui a parlé, moi-même aujourd'hui, je te dis que je vais continuer, je vais corriger, je vais innover. Dans même affaire de continuité de l'État, je vais continuer à partir de un rapport des experts écrits. Un rapport que des experts écrits, que l'État est barré de bio. Je dis, l'homme te dit en octobre que le contrat est coupé. Le contrat est là. Ce n'est pas moi qui te coupe. Son contrat fini, ce n'est pas moi qui te dis. Nous attendons ça. Document. Et peuple a capable de me dire. Son contrat qui finit depuis 2014. Ça veut dire de 2014 à aujourd'hui, on fait un exercice. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Nous en décembre 2019. Ça fait 6 ans. On continue cet exercice là. 2 millions multipliés par 12, ça fait 24. 24 qui ça? 24 millions de dollars. Multipliés par 6. 6 fois 4, bon, 24. 6 fois 2, 12. Ça vaut 144 millions de dollars que l'État vient en dépenser déjà. Et la donne, l'État vient de dette. Parce que, bon côté l'État a été arrivé, il n'y a pas de capter encore. Ça veut dire qu'il est obligé de suspendre. Parce que c'est contre, c'est ton contrat écrit, parce que l'État central, nous bien que les épaules, l'État va central, personne que la jambe saisi. Et c'est pour ça que nous aimons là aujourd'hui. 144 millions de dollars de 2014 à 2019 versus les génératrices que nous jouons là. Et c'est même l'État ça qui commande les génératrices ça. C'est des Caterpillars qui équivaut à 9,5 MW. Pas oublier ça, nous dit nous. Si grave. Qui a 6 MW installés, c'est seulement 1,5 MW de recevoir. Jodi, on a voué 4 MW de Tigouave. On avait dit Tigouave après recevoir 4 génératrices, 9. C'est son seul l'État gain. En attendant que le building n'est pas fini, moi-même, j'ai toujours dit, si reste là, c'est pour vous, peuple haïtien. Même si c'est pour vous, si reste là, c'est pour mon Tigouave. Si reste là, c'est pour mon Okaï. Je prends une décision. Jodi, on a voué 4 génératrices à Tigouave. Et ma voie 4 motos, ça veut dire que 4 MW qui va le Tigouave, il y a 5,5 MW qui va le Caï. Bon, et moi là nous clair. Maintenant, on va attendre à tout. On attend les actions. Oui. On attend l'action. Yeah. Ok, yeah. La président parle et il est clair. Les données du président sont claires. Musique Dijon. Et les données sont claires, madame, monsieur. Ok? Maintenant, on aurait tant d'actions qu'on y a là, je vous dis là, madame, monsieur, contre ETRAC. Et ça vient de dire, si on a un débat, ce n'est pas ce jeune seulement qui n'a question courant, pratiquement dans le pays. Il y a ETRAC, il y a e-power. Qu'on l'autre compagnie espagnole, lui. Et oui, et. Non, les Cafou. Non, il n'est pas compagnie espagnole, les coréennes. Oui, les Cafou. Les Cafou, très bien. Oui, justement, ok. Donc, faut. Et entre eux, il y a même s'entretien entretien offert. Il y a même s'entretien offert. Très bien. Ok. Maintenant, ce n'est pas seulement ce génère. Il y a E-Track, il y a E-Power. Ok.
dans le dossier tu as là, madame, monsieur, je ne vais pas mentir, c'est plus gros scandale même qu'attendez dans le pays. Maintenant, on attend les actions. Le président a parlé, il parlait. Et quand il m'a dit, je ne vais pas mentir, qui comprennent que, qui ouais tout, que la popularité Jovenel Moïse a fonti monté. Ah ouais, côté le dé, il y a aujourd'hui là, la fonti monté. La fonti monté. Il y a des gens qui disent là, qui pas Jovenel Moïse, mais je dis à tout, qui bat bravo pour mesure que la prend là, je dis à comme président de la République, dans l'intérêt pays d'Haïti. Ok, et ça, ça nous besoin, madame, monsieur. Nous besoin que nous tous ensemble nous gardons pays. Là. Maintenant, parce que le président parlait, maintenant, nous avons tant d'action nous-mêmes. Nous avons tant d'action. Okay? Bon, il commence à agir parce que oui. Il dit 4 génératrices pour aller pour Tigouave. Oui. Et 4 pour aller pour Viloca. Et puis il y a ça, il y a ça, il y a dépôt. Est-ce que c'est un dépôt ici? Oui. Nous pouvons finir, 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 nous pouvons. Alors, parce que le président, comment le président dit, oui, de 2 millions et que le yote qu'on a baillé pour chaque mois, et alors que, avec 2 300 000 dollars, il a acheté 8 génératrices. Génératrices. Ah, écoutez, c'est... Alors, bien entendu, c'est un bagage grave, oui, frère. Oui, mais faut mon yon tijan comprendre tout, oui, et 2 millions, et génératrice pour contre pas bail courant parce que gon personnel gagne gaz gagne entretien technicien donc son package lié jusque là José lit pas problème problème là c'est que non alors pas les chiffres non jusque là et pas la problème là problème là c'est que ou pas bail courant et ou facturer l'état c'est ça le problème non et ou fait de 2014 à 2019 à toucher l'argent pour service qu'on pas c'est là le problème non il a touché l'argent que l'état a bali non ça dit que en combinaison avec mon c'est association contacté quoi faire pas poser la question de gestion et personnel non l'état et pas de service qui baille pas de courant qui baille OK ni au caï ni petit guave. D'ailleurs, Mounokai, où sont jamais les commissaires Kebo? Kebo, combien de fois le commissaire Kebo fait intervention ici? Après l'envoi pour courant pour Petit Gouave. Ouais. Mon Petit Gouave pas joué par une courant. Mounokai pas une courant. Et l'État, il s'est payé pour courant. Ok? L'agence aussi. Oh, l'agence aussi. On a parlé de 54 millions de dollars, madame, monsieur. Donc, qu'on facture là de presque 200 millions de dollars de surfacturation pour son général. Alors, voilà pour l'État, il y a 54 millions de dollars. 2014 okay? à 2019. Non, il va faire 5 ans, non? 6 ans? Ah oui, pas 6 ans, nous faisons 5 ans. Oui. Ok, donc de 2014 à 2019. C'est que les gens qui ont beaucoup de là, l'ont touché dans l'argent. Ou les gens qui ont beaucoup de là, et puis l'ont touché. Et matin, c'est là, nous disons que nous avons une action là, je dis là. Parce que tu n'es pas capable de débloquer comme ça dans l'État. Ni les gens qui débloquent là, ni les gens qui ont beaucoup de là. C'est clair. Ni les gens qui ont là. Parce que c'est comme si nous avons son couteau. Donc son réseau gang là, mon frère. Ok, pour déchapiller pour les gens qui sont pauvres. Pour têter l'État même. Parce que Pabli est de côté, et le président dit, ou bloquer Tijan Baba. Faut qu'oublier, oui, parce que nous avons de temps en temps pas oublié. Oui, bon côté le dérivé, l'État devine pas qu'à payer encore. Elle dit que c'est une dette dans le bail. Elle dit tellement l'argent en pile. En pile.